Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de modifier un véhicule et de le conduire sur 500 mètres en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, soit vous allez vous rendre à Rocky Reels, là vous allez pouvoir trouver des modifications de véhicules facilement, ou alors vous allez à la pompe à essence qui est juste ici. Donc les deux emplacements, vous allez pouvoir trouver des modifications de véhicules facilement, mais moi ce que quand même je vous conseille de venir à la pompe à essence, parce que je pense que ce sera encore plus simple. Donc là, normalement, dans le garage, il y a toujours des pneus. Regardez, il y a des pneus. Donc, soit vous utilisez ce pneu, ou soit vous utilisez un chasse-pierre donc que vous pouvez mettre à l'avant d'un véhicule. Dès que vous avez des pneus ou un chasse-pierre, normalement, vous lancez l'objet sur le véhicule. Ça modifie le véhicule. Donc, je pense que ça fonctionne avec les pneus tout-terrain et les chasse-pierres. Logiquement, ça devrait fonctionner avec les deux. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez près d'un... une pompe à essence, donc c'est pour ça c'est mieux de venir directement à la pompe essence, mais vous pouvez aller à Rocky Reels si vous voulez. Ensuite vous mettez le plein de votre véhicule, faites le plein pour être sûr de pas manquer d'essence. Ensuite ce que vous faites c'est que vous mettez genre un ping juste ici, enfin on va mettre un ping là, hop, là on est à 800 mètres. Donc ça veut dire que si j'arrive à me rendre à ce ping là, et ben ça voudra dire que j'aurais réussi à réaliser le défi, parce que je dois voyager sur 500 mètres de distance. Là, je suis à 800 mètres de mon ping. Donc, même quand j'arriverai à 300 mètres de mon ping, normalement, ça devrait valider le défi. Parce que vous avez juste à rouler sur 500 mètres de distance avec un véhicule modifié. Je viens de le modifier. Donc, logiquement, dès que vous aurez parcouru 500 mètres avec ce véhicule, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SwakuloMec et ciao. Peace.